Alors Marlène Schiappa, est-ce que vous avez prévu de faire quelque chose de particulier demain à 15h35? Alors je crois que vous faites référence au fait que demain à 15h35, les Françaises en moyenne ne seront plus payées. On travaillera gratuitement. Voilà, exactement. En moyenne, si on prend la moyenne des salaires, eh bien les hommes continuent d'être payés et les femmes s'arrêtent là. Donc effectivement, c'est une réalité qu'il faut dénoncer. En France, il y a encore 9 à 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. C'est énorme. Et donc avec la ministre du Travail, nous avons pris des dispositions dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Des dispositions ont été votées pour faire en sorte d'aller vers la transparence des écarts de salaire. C'est-à-dire qu'on va obliger les entreprises à publier ces écarts de salaire entre les femmes et les hommes pour savoir où il y a des discriminations, où il n'y en a pas. Et quand il y en a, on leur donne 3 ans pour se mettre en conformité et faire cesser ces écarts de salaire.